Ils sont six et tous, ils rêvent de hisser le ski alpin belge en haut de la hiérarchie internationale. Et parmi ces jeunes skieurs, Armand Marchand, bientôt 16 ans, est véritable espoir en slalom. Ses premières descentes, le jeune timistérien les effectue à 2 ans. Depuis, sa passion pour le ski alpin n'a fait que grandir. C'était dans les Vosges et on va dire que j'ai quand même bien accroché directement. Et voilà, c'est vraiment ma passion, quoi. Je vis pour ça, quoi. Tout ce que je demande, c'est de skier, quoi. Alors, tant que j'ai ça, on va dire que c'est vraiment un sacrifice, mais c'est beaucoup, beaucoup de bonheur à côté, de gagner des courses et de s'entraîner et de voir qu'on progresse, quoi. Et ces progrès, c'est au travers du Biski Team que ces jeunes les réalisent. Se sentant peu soutenus par la Fédération francophone de ski, les parents de ces espoirs ont décidé, il y a 5 ans, de créer leur propre structure. Tous ces enfants-là, ce qu'il est au ski club de Malmedy, et puis ils ont été repris pour la plupart en fédération. Mais la fédération n'a pas un pôle vraiment performance, un pôle haut niveau. Et donc on s'est senti obligés, nous parents, de créer une ASBL, donc le ski club de Biski Team, qui regroupe alors tous ces enfants avec de bonnes capacités. Reconnu par la Fédé et soutenu par l'ADEPS, le ski club se donne les moyens de ses ambitions. À commencer par l'entraîneur choisi pour guider ses jeunes pousses vers les sommets, le français Raphaël Burtin, ancien pro et membre de l'équipe nationale française pendant 10 ans. Moi, quand j'ai terminé ma propre carrière de skieur, j'imaginais pas que j'allais entraîner les petits Belges. Une opportunité qui a fait que je suis arrivé dans un système qu'on a mis en place. Et puis j'ai rencontré des enfants qui m'ont plu, j'ai rencontré des enfants qui étaient motivés. Et maintenant ça va faire ma 5e année, je crois, que j'entraîne ces jeunes là. Et c'est formidable parce qu'ils vivent le ski vraiment à fond et ils aiment ça. Donc moi ça me motive encore davantage. Et tant que ça se passera comme ça, je resterai avec la Belgique. On a mis en place cette cinquantaine de jours de ski entre printemps, été, automne sur glacier. Donc on skie sur différents glaciers en Europe comme Connertal, Tignes, Saas-Fee, Zermatt. Et on skie autant que les autres et finalement, il n'y a pas de secret, on devient aussi fort que les autres. Pas de doute, l'avenir du ski alpin noir, jaune, rouge passe par ces espoirs de la discipline. Le Biski Team a su créer une structure performante tout en gardant un esprit avant tout convivial, voire familial.